grande machine à but. Wouhou! Travail terminé, il est temps de s'amuser. Carly! Carly! Alors, où est passé mon ami à crochet? Je l'ai cherché dans tous les recoins. Peut-être est-elle ici? Carly! Monstre de la mine! Désolée, Sandy, Carly n'est pas ici. C'est nous, Thomas et Diesel, mais je suis sûre que tu nous avais pas reconnus sous toute cette boue. Mais qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Quelqu'un nous a conduits dans le mauvais tunnel finissant sur une fosse de boue. Je croyais avoir vu un trésor de pirate. Eh bien, je suis soulagée que vous ne soyez pas des monstres de boue. Je dois continuer à chercher Carly. C'est ma meilleure amie. Et aujourd'hui, on devait jouer ensemble. Bonne chance pour la chasse au trésor. Et bonne chance pour la chasse à la meilleure amie. Allez, trouvons ce trésor, Mille Sabords. Ce serait vraiment génial. Carly! Oh, Carly! Hein? Carly, t'es dans le foin? Non, c'est Nia. Une de mes vis est tombée et a roulé dans ce tas de foin. Elle est ici. Merci, Sandy. Hein? Quoi? Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? C'est ça. Mais je vais retourner à mes recherches et m'assurer que Carly n'a pas 10 barbus. 10 barbus? J'ai une barbe de foin, j'ai compris. Carly! Hé, merci! Est-ce que t'as vu Carly? Non. Elle n'est sûrement pas dans l'un de ses conteneurs. Est-ce que t'es bien sûre de ça? D'accord, ma façon de dire ça pouvait donner l'impression qu'elle est dans l'un de ses conteneurs. Mais elle n'y est pas! Wow! Oups! Désolé, ça m'a échappé. Cranky, maintenant je suis couvert d'eau salée. Si les eaux salées de la mer rencontrent l'acier et le mouille, crois-moi que bientôt toutes tes charnières seront croûtées de rouille. Salty, tu as dit de la rouille? Oh, ne t'inquiète pas trop, Percy. J'ai de l'eau salée sur ma carrosserie depuis toujours. Un peu de rouille ne fait pas de mal. Je dois aller à la station de lavage pour retirer tout ce sel avant qu'il ne me fasse rouiller. Et à propos de Carly, je me souviens l'avoir entendu parler d'une chasse aux bestioles rampantes. Bien sûr, Carly adore toutes les petites bestioles qui rampent. Elle doit observer des insectes dans l'atelier. Merci, Soldi. Pas de quoi. Ici, petits insectes chouchou, sortez de vos cachettes pour que vous rampiez. Y aurait-il une bestiole rampante en dessous de cette pierre? Non. En dessous de celle-ci? Non. Ici? Non. Ici? Non. Ici? Oh! Oups! Je te tiens, mon ami. Merci, Carly. Bien joué. Puisqu'on a fini notre travail, je me disais qu'on pourrait trouver un jeu à faire ensemble. Génial! Oh! Qu'y a-t-il? Je suis désolée, un mille-pattes me chatouille sous le bras. Je le vois pas. Oui, ces petites bêtes sont parfois difficiles à repérer. Hé! Hey, on pourrait fabriquer quelque chose pour y remédier. Ouh, bonne idée! C'est ce qu'on pourrait faire ensemble! On pourrait inventer quelque chose de créatif! J'adore l'idée de fabriquer quelque chose d'utile! Et d'artistique! Alors c'est parti! Qu'est-ce qui a l'air utile dans ce tas? Qu'est-ce qui a l'air artistique dans ce tas? Oh, voilà qui nous sera utile! Mais ennuyeux! Par contre, ça c'est épatant! Je peux utiliser ça! Et ça! Et on aura besoin de ça! Je vais pouvoir utiliser tous ces éléments! Et je vais pouvoir utiliser tous les miens! Place à l'art maintenant! Pas besoin de ça!
ça non plus. Original et artistique. Fini. On est synchronisés. Oui, on est comme un seul et même moteur. Et on est tellement pareilles toutes les deux que je suis sûre que tu vas adorer ce que j'ai fabriqué. Tada! Hein? Quoi? C'est super chouette, Carly. C'est juste qu'on avait dit qu'on faisait quelque chose de créatif et c'est une boîte. Non, ce n'est pas n'importe quelle boîte. C'est une boîte qui nous aidera à voir les bestioles. Une boîte à bestioles! Regarde, la bestiole entre dedans et cette loupe que j'ai installée ici la fait paraître super énorme. Alors on peut la voir. Tu vois, ça fonctionne. Je crois qu'elle pourrait avoir un peu plus de... oomph. Comme ce que j'ai fait. Oomph? Pourquoi l'observation des bestioles aurait besoin de plus de oomph? Ce serait plus esthétique, comme ma création. Je l'ai appelée bestiole babiole. T'as compris? C'est une bestiole faite avec des babioles. Et en plus, ça rime, c'est artistique et drôle. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? Ce qu'elle fait, c'est de l'art. C'est juste joli. Oh, d'accord. Sandy, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Nos façons de penser ce qui est créatif sont différentes. Différentes? Nous? Impossible. Je crois qu'il y a juste un tout petit malentendu entre nous sur ce que le mot créatif signifie. Créatif veut dire amusant, gros, coloré, étrange, peu importe. Il faut toujours penser à sortir des cases. Mais fabriquer quelque chose d'utile est amusant. Enfin, pour moi, ça l'est. L'utile, ce n'est pas de l'art. Alors essaie encore, mais cette fois, pense... Art. D'accord. Je peux y arriver. Voilà, juste ici. Brillant. J'ai terminé. Je te présente... de l'art. C'est un banc. Oui. Sur un banc, tu regardes le monde entier passer. Oh, c'est si utile. Oui, mais ce n'est toujours pas de l'art. Pourquoi pas? Allez, essaie encore. Oh, d'accord. C'est de l'art? C'est une cuve à eau. Je le sais, et elle peut stocker tellement d'eau. Mais moins d'eau